Bienvenue au Rugby Club Tournai. Vous êtes au sein du siège de l'association où vous voyez l'ambiance est très très studieuse puisque ce week-end est un gros week-end pour nous puisque nous avons le plaisir, l'immense privilège d'accueillir la finale du Super Challenge. Le Super Challenge c'est quoi? C'est une compétition qui regroupe les meilleures équipes de moins de 15 ans. Donc 7 tournois sont organisés tout au long de l'année et il faut aller chercher ses qualifications pour participer à la finale. Et demain, le RCT a l'occasion, sur les différents terrains de la commune de TPM, des communes pardon, de TPM, d'organiser ce superbe tournoi. Donc ça fait depuis 3-4 mois que nous sommes sur l'organisation, avec bien évidemment la partie hébergement, bien évidemment la partie restauration, la partie sportive aussi. Et quelques contraintes liées, mais qu'est-ce qu'on est heureux d'avoir ces contraintes-là. C'est les contraintes liées à la qualification du RCT pour la finale de la H-Cup. Tout était calé. Mais on avait prévu un plan B, on espérait quand même avoir ce plan B, donc on ne sera pas à Mayol. Si ce n'est qu'on a invité les 24 équipes à assister à la finale de H-Cup sur les écrans géants de Mayol. Donc voilà, mais sinon les Minots ne pourront pas fouler la pelouse de Mayol. Ils seront allés au Lagrange donc samedi et dimanche, notamment dimanche après-midi pour la finale. Que les grands clubs, Toulon, Bayonne, Toulouse, Bègle, Castres, je regarde en même temps Montferrand, Massy, le Racing, mais aussi des clubs sympathiques comme le club de Tournefeuille qui a été chercher qualification, le club d'Albi, le rugby côté sud du côté d'Agen. Donc voilà, 800 minots, 60 bénévoles à leur disposition pendant 2 jours, que du bonheur. J'espère qu'on va respecter la philosophie du Rugby Club Tournai, respect, convivialité, tolérance tout au long du week-end. J'espère que samedi, bien évidemment, le RCT va gagner cette finale, mais avant tout que le comportement de nos supporters sera digne et que ça va se passer dans la plus belle fête possible. Parce que on est des privilégiés d'agir contre jeunesse, on est des privilégiés d'être passionné du rugby, parce que le rugby c'est l'école de la vie et c'est le restaurant tout le temps. Donc je vous souhaite un bon week-end rugby à tous et puis que la fête soit belle, que l'esprit du rugby soit là et allez Toulon parce que Toulon va la gagner cette coupe, j'en suis sûr.